sur les autres aéroports. Alors, le joli vert, là, c'est Genève qui fait 193 000 mouvements avec une piste. 193 000 mouvements avec une piste. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a envie d'en avoir 193 000 au-dessus de nous, hein. Mais enfin, à 50 000, on en est très très loin. Un autre exemple ? Un autre exemple. Un peu plus loin, une piste toujours. San Diego, aux États-Unis. San Diego, là, c'est très très loin. Là, c'est un autre... Hé, hey, aidez-la ! Oh là 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 ! C'est bon, elle va faire exploser. Alors là, hop, Digipirate, état d'urgence, ça va mal se terminer. Tu fais claquer le ballon. Ça va pas. Alors. Ouh là là. San Diego. 223 000 mouvements. 17 millions de passagers. Alors, on récapitule, hein, pour que vous reteniez. Parce qu'il va falloir expliquer ça à vos voisins. Hein. Allez, on va prendre que Genève, parce que c'est compliqué. Donc, 193 000 mouvements, 14 millions de passagers. Nous, ici, à peu près 50 000 mouvements, un peu plus, mouvements commerciaux en 2015, et 4,4 millions de passagers. Donc même pour arriver à 9 millions de passagers, en imaginant qu'on aille partout dans le monde, qu'il n'y ait pas de problème avec l'avion, le climat, toutes ces choses-là, eh bien, on peut continuer à rester à Nantes-Atlantique.